There is only one question I have to ask ourselves. Il y a seulement une seule question que j'aimerais que nous nous posions nous-mêmes. That question is the light. Cette question, c'est la lumière. Is that light that God said are shining in us? Est-ce que cette lumière dont parle le Père est-elle en train de briller en nous? As the people around us, neighbors, friends, colleagues and relations, are they seeing this light? Est-ce que nos collègues, nos voisins, nos amis voient-ils cette lumière en nous? Remember, the duty of this light is not for us, but is for the person who sent us. Rappelez-vous que le devoir de cette lumière, ce n'est pas de la garder en nous, mais c'est de la porter au monde. That is why you see for that verse 16 of that chapter. Et quand vous voyez à la page 16 de ce chapitre, it said that they will see your good works. Qui dit qu'ils verront tes bonnes œuvres. And glorify your Father which is in heaven. Afin qu'il glorifie ton Père qui est dans les lieux célestes. God himself was seeing the good work of Jesus Christ and is glorifying how he glorified him. Le Père lui-même a vu les grandes œuvres, les bonnes œuvres du Seigneur Jésus-Christ et nous avons vu comment il a glorifié le Seigneur Jésus. And when Jesus Christ was asking himself, glorify your work, he said, I glorify him and I glorify again. Et Jésus-Christ lui-même, il s'est mis à glorifier le Père et à le glorifier encore, voyant les œuvres du Père. If you and me can ask Jesus Christ now as we ask him, glorify your works in me. Is he answer that question? Est-ce que le Seigneur Jésus continue-t-il de répondre à la question quand nous disons glorifie ton nom en nous? Parce que dans nos œuvres, est-ce que nos œuvres glorifient le nom du Seigneur lui-même? When not, we have to ask God that we come before his presence to bow down before him for him to glorify his work in us. C'est pourquoi il est très important que nous puissions venir nous prosterner devant le Père d'un cœur contrit afin de lui demander de glorifier son œuvre en nous. That the glory should go to him in heaven. Afin que la gloire lui soit retournée dans les lieux célestes. And we have to go to the Lord in prayer and tell God to glorify his work for the mouth of the preacher that are going to preach the word of God. Pourquoi il est très important que nous allions au Père pour lui demander de glorifier sa parole dans la bouche de son serviteur qui va utiliser ce matin pour nous apporter la lumière. That his name will be glorified in heaven. Et sans que nous puissions, nous, glorifier son nom dans les lieux célestes. Remember, the glory is not for me or for you, but it's for God who made heaven and earth and made earth. Rappelons-nous que la gloire n'est ni pour moi, ni pour vous, mais elle appartient au Père qui a créé les cieux et la terre. Brothers and sisters, we have to move this light on and on all the days of our life. Frères et sœurs, rappelons-nous que nous devons faire bouger cette lumière autant de fois possible selon le temps que nous passerons sur cette terre. Because that is what God wants us to do, and we have to obey. Parce que c'est le devoir que le Père nous demande de faire, et nous devons obéir. Let us go to the Lord in prayer and hand over to our preacher of today. Nous allons donc prier encore le Père et passer donc la main au serviteur, au prédicateur du jour. I pray everyone to pray for the preacher, pray for the interpreter of this word of God. J'encourage chacun de nous à prier pour le prédicateur et à prier pour l'interprète qui vont nous dispenser la parole de Dieu du jour. Not the preacher of our assembly alone, but all over that glorify the name of God throughout the world. Pas seulement pour le prédicateur de notre assemblée, mais pour tous les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur partout dans le monde, nous devons toujours prier pour eux. Let us pray, please. Prions, s'il vous plaît. Our Father God in heaven, we glorify your name. Père, notre Père céleste dans les lieux, nous te glorifions, nous glorifions ton nom. We thank you, God, for what you tell us to do in your words.
Seigneur, nous faisons ce que tu nous demandes de faire dans ta parole. God, you keep us as a light of this world. Let us able to shine wherever we are. Seigneur, si longtemps que tu nous utilises comme la lumière de ce monde, aide-nous à briller, éternel Dieu, dans ce monde. So we commit our preacher of today for this assembly and beyond. Et pourquoi, Seigneur, nous prions pour, en te recommandant ton serviteur, le prédicateur de cette assemblée et tous les autres prédicateurs partout dans le monde. Also the interpreter, God, our Father, for the word that they're going to speak, bless the word and glorify your name. Et ainsi, de même que pour les interprètes, Seigneur, nous les recommandons entre tes mains afin que l'œuvre, la parole qu'ils vont apporter, éternel Dieu, soit bénie de toi. Bénis-les tous partout dans le monde. As you was blessed your word for the mouth of Jeremiah and many other prophets, we believe that you bless the word for the mouth of the preacher and other preachers around the world today to glorify your name. Oui, Seigneur, de la même manière que tu as béni ta parole dans la bouche du prophète Jérémie, Seigneur, nous prions que tu puisses bénir, éternel Dieu, ta parole dans la bouche de tous les serviteurs partout dans le monde et en particulier le prédicateur du jour de notre assemblée. Thank you that you heal the sick in our midst. Many are sick in the spirit, many sick physically sick. God, all the diseases are healing through the blood of Jesus Christ, our Savior. Merci, Seigneur, de bénir, de guérir toutes les maladies spirituelles et toutes les maladies physiques dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. We give you glory in the mighty name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Nous te donnons la gloire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. I thank you, all of you, Brother Paul. Brother, your microphone is switched off. Your microphone is switched off. It's okay now. I say I thank every one of you. It's time for our preacher, Brother Paul, to go on to the word of God. Je vous remercie tous. Je donne passe la main au serviteur de Dieu, notre frère Paul, de prendre la main. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. May God bless you, beloved. Pour cette bonne parole d'introduction. For this good word of introduction. Qui va tout droit en droite ligne avec la parole que nous apporterons aujourd'hui. That is exactly in line with the word that we are going to talk about today. Avant tout, je voulais vous apporter les salutations de notre assemblée qui est à Bradford. First, I would like to bring this greetings from our brothers and sisters in Bradford. Frère Faustin m'a demandé de vous saluer. Brother Faustin asked me to greet you all. C'est le pasteur de l'assemblée à Bradford. He is a pastor in the assembly of Bradford. Et nous avons aussi, je leur ai transmis aussi nos salutations. And I'm also transmitting our greetings. Parce que ce qui s'est passé cette semaine nous appelle chacun d'entre nous à pouvoir réfléchir deux fois. Because what happened this week has reminded us to think twice. Il y a, pour ceux qui ne sont pas au courant, notre frère est pasteur de l'Assemblée de Bloomington aux États-Unis. For those who do not know, our brother, the pastor in Bloomington, in the United States, est décédé cette semaine d'une façon inattendue. Passed away this week in a way unexpected. Yeah, unexpected. Alors, j'ai pu parler hier avec sa fille. Je voulais parler à sa veuve. I was speaking yesterday to his daughter, but I wanted to speak to his wife. Mais il dormait, mais je l'appellerai encore plus tard. And she was sleeping, but I will call her again later. Alors, il m'a été un peu expliqué les conditions dans lesquelles il est décédé. She explained me a little bit the conditions of how he died. Il est mort d'une rupture d'anévrisme, c'est une veine qui s'est rompue. It was a vein that was disrupted. Yeah. Okay. Alors, cela nous fait réfléchir, frère, nous fait penser que la vie
que nous avons, ne l'oubliez jamais, ne nous appartient pas. And this reminds us that the life that we have does not belong to us. Il est dit dans Ecclésiaste 12, it says in Ecclesiastes 12 que c'est le moment où l'homme s'en va vers sa demeure et l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. That the soul goes back to its resting place. The spirit goes back to its resting place. Et cela veut dire que le corps retourne à la poussière. And our bodies return back to the dust. Cela devait nous faire comprendre que nous sommes sur cette terre pour un temps limité. This must make us realize or understand that we are on earth for a limited time. Et que nous devons tout faire pour avoir nos vies en ordre. And we must do everything to put our lives in order. Car personne n'a décidé les jours de sa naissance. Because no one decided the day of his birth. Et personne ne décidera du jour de son départ, de and sa mort. And no one will decide the day of his departure, his death. Le frère est parti. The brother went. Maintenant, nous parlons seulement de son témoignage. But now we are only speaking of his testimony. Nous pouvons dire ce que nous avons vu. We can say what we saw. Et nous pouvons dire ce que nous avons entendu. And we can talk about what we heard. Et c'est pour ça que, bien-aimés frères, and that is why, beloved brothers, ne remettez pas demain ce que vous pouvez corriger aujourd'hui. Don't wait for tomorrow to do what you can do today. Parce que vous ne savez pas. Because you don't know. Nous rendons grâce à Dieu que nous sommes debout ce matin. We give grace to God that we are awake this morning. Ce n'est que sa grâce. It's only his grace. Parce que vous savez, les frères ne le savaient pas. Because the brother did not know. Il avait certainement des programmes. He had programs. Et c'est pas s'il avait planifié des choses à faire les jours suivants. And I don't know if he had planned to do. He had planned to do things. Mais toutes ces choses ne comptaient pas devant Dieu. But all these things did not count. Parce que Dieu avait dit son temps était terminé. Ainsi, bien-aimés, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ne laissez pas des choses que vous devez corriger aujourd'hui pour demain. Ainsi, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu nous bénisse tous. May God bless us all. Le frère s'appelait frère Félix Chikaya, bien sûr. The brother was called Felix Chikaya. Yeah. Et c'est triste de le voir partir comme ça. And it is sad to see him go like that. Je l'ai connu personnellement hier, c'était dans les années 80. I knew him personally in the 80s. Quand je suis parti à Kin après la première fois après ma conversion. When I went to Kinshasa. The first time after my conversion to Christ. Mm-hmm. Et c'est là où il m'avait fait un repas, un grand repas, chez un frère. And he made a great not him, another brother did make a big a reception for me. Mm-hmm. Et beaucoup de ministres étaient invités parmi eux, il était là. And many ministers have been invited and among them he was there. C'est là où je l'ai vu la première fois. That's where I saw him the first time. Que Dieu bénisse sa famille, may God bless his family, ses enfants, his children, son épouse, his wife, et que Dieu les aide à pouvoir ainsi garder les pieds dans la parole de Dieu. And may God help them to keep their feet in the word of God. Nous allons aujourd'hui nous tourner sans tarder, d'abord même en revenant sur la parole d'introduction. We are going to come back to the word of introduction. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, comme les frères le disaient tantôt, in Matthew chapter 5, from verse 14, il est dit que vous êtes la lumière du monde. He says, ye are the light of the world. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. A city that is set on a hill cannot be hid. Donc, le soleil qui est là, so the sun is there, ne peut pas être caché. Cannot be hidden. Parce que le soleil doit éclairer la terre. Because the sun must light the earth. Et Jésus dit ceci, and Jesus says this, que vous êtes une ville située sur une montagne. That you are a city on top of the mountain. Et que cette lumière ne peut pas être voilée. And this light cannot be hidden. C'est comme ça les frères disaient. That is how the brother was saying. Et même cette lumière and even this light n'est pas pour notre gloire. Is not for our glory. Elle est pour la gloire du Seigneur. It is for the glory of the Lord. Et si la vie que nous menons and if the life that we doit être le reflet de sa propre gloire, must be the reflect of his proper glory. Comme les frères le disaient tout à l'heure, as the brother was reading il disait, Père, he said, Father, glorifie ton nom. Glorify your name. Glorifie ton nom. Glorify your name. Et c'est comme ça que le Père a dit, and this is how the Father je said, l'ai glorifié. I have glorified et je l'ai glorifié encore. And I glorified him again. Et la même chose nous concerne aujourd'hui. Nous crions, we cry, Père, Father, glorifie ton nom. Glorify your name. Et ce nom a été déjà glorifié. Et il répond, je l'ai déjà glorifié, mais je l'ai glorifié encore.
Parce qu'il a dit ceci, les œuvres que je fais, the works that I do, vous les ferez encore vous autres aussi. Et vous ferez même davantage. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Le message que nous écouterons aujourd'hui, the message that we will listen to today, c'est à propos de votre condition, vous personnellement, en tant qu'individu. It's concerning your position as an individual, à l'égard de Christ. In regards to Christ. Nous pouvons des fois nous fondre, nous mêler dans la foule. Sometimes we can hide ourselves in the crowds. It is the better way to translate it. Nous cacher dans la foule et dire que notre témoignage est celui de la foule. And say that our testimony is that of the crowd. Mais nous devons nous tenir seuls avec Christ. So we must stand alone with Christ. Et répondre de la parole que nous écoutons. And we must respond to the word that we are hearing. Et répondre de ce que nous faisons. And we must respond to what we are doing. Nous n'allons pas être jugés en tant qu'église. We will not be judged as a church. Nous allons être jugés en tant qu'individu. Que Dieu a appelé d'entre les nations afin de nous faire ainsi asseoir avec lui, afin que nous puissions partager sa gloire. Et c'est pour ça que la parole de Dieu demande une chose, c'est de sortir du camp, de sortir hors, aller vers le camp, sortir hors du camp, et aller en portant l'opprobre de Christ. To bear the reproach of Christ. Sortir avec, aller au là où il a été crucifié. Go out where he was crucified. Vous savez, c'est parce que quand Moïse, as Moses, quand le peuple avait péché, when the people had sinned, Moïse amena ainsi la tente hors du camp. Moses went and brought the tabernacle, the tent, out of the camp. Pourquoi? Parce que les peuples étaient rebelles. Et maintenant, pour consulter Dieu, il fallait sortir. C'est pour ça que Christ est mort hors du camp. Il est mort hors de Jérusalem. Sortons. Allons vers lui. En portant son opprobre. Sœur, en laissant vos cheveux longs. Sister, letting your hair, your hair growing. Getting, let them growing remain long. En laissant le maquillage, en laissant les habits, en portant des habits corrects, wearing clothes that are correct. Frères, en parlant correctement, brothers, speak correctly. En ayant des manières qui soient dignes de la parole que vous avez reçue. Et ça, c'est très important. And that is very important. Surtout en portant l'opprobre de Christ. Come out bearing the very approach of Christ. En allant vers, même si on se moque de nous, even if people mock you, ils ne comprennent pas. They do not understand. Et ils sont nus. And they are, naked. Et ils ne les voient pas. And they do not see it. Mais nous sommes habillés. But we are clothed. Et comment est-ce que quelqu'un qui est nu peut venir se moquer de moi tout seul? Someone who is naked come and mock me? Et si vous avez honte, and if you are ashamed, c'est que vous-même, vous avez un problème. You have a problem. Vous ne voyez pas bien. You do not see well. Et vous êtes semblable à quelqu'un. You are like someone. Qu'un aveugle dit, as a blind says, que tu ne vois pas. That you do not see. Et tu dis, oh, je ne vois pas. And you see, oh, I don't see. Mais normalement, vous devriez dire à l'aveugle que c'est vous qui ne voyez pas. Parce que moi, je vois. Because me, I can see. Mais la chose est que nous devons accepter de porter la honte de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été humilié. Jesus Christ was humiliated. On s'est moqué de lui. They mocked him, mais il a accepté but he accepted it de porter notre honte to bear our shame, pour que nous puissions so we can partager sa gloire. Share his glory. Alors, je ne vois pas vraiment. So I don't see comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, how can we, as children of God, on pourrait ne pas bénéficier de ces choses. Cannot, benefit from these things. Nous allons aller doucement, même si je ne termine pas. We are going to go softly, even though I do, even if I do not. Nous devons prendre les choses de prix. Placer ces choses correctement dans we la must parole. Place these things correctly in the word of God. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 27. We are going to take in Matthew chapter 27. La semaine passée, nous avons parlé de la Pâque. Last week, we spoke of Easter. Et nous avons montré que parce que Christ était mort and we showed that because et Christ was dead, qu'il est ressuscité, and that he rose again, nous avons au-dedans de nous les marques de sa résurrection. We have within us the mark of his resurrection. Le fait que nous puissions vivre,
The fact that we can live prouve que nous, Christ est vivant. Shows, proves that Christ is alive. Comme les cantiques le disent. As a hymn sings. Parce qu'il vit. Because he lives. Parce qu'il vit. Because he lives. Moi aussi je vis, je ne vais pas changer. Me also I can live. Parce que nous voyons les morts être ressuscités. We see that death was resurrected. Les malades guéris. The sick are healed. C'est la preuve que le Christ n'est pas mort. This is proof that Christ is not dead. Comme il avait dit. As he said. Il faut que quelqu'un, si je ne m'en vais pas, if I do not go, le Saint-Esprit ne viendra pas. The Holy Spirit will not mais come. Quand il sera venu, but when he comes, il rendra témoignage de moi. Testify of me. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Because he will take what I et vous le montrer. And show it to you. Donc nous avons la preuve so we have the proof que l'évangile que nous suivons that the gospel that we follow n'est pas un évangile d'un mort. It's not a gospel of death. Mais c'est un évangile de quelqu'un qui est vivant. But it's the gospel of someone who is alive. Et celui qui est vivant avec Christ, and the one who is alive with Christ a une chose différente dans sa vie. Has a different thing in his life. Et sur laquelle je voudrais que vous puissiez faire attention. And I want you to be careful. I want to draw your attention to it. Il y a un frère qui a prêché la semaine passée. A brother who preached last week. Et il a bien tellement fait sortir ce point que je vais seulement lire un verset de cela. Ce sont des choses que nous connaissons dans Romains chapitre 7, avant d'aller dans Matthieu, bien sûr. Romains chapitre 7. Romans chapter 7. Le verset 17. Verse 17. Il est dit ceci. He says this. Commençons même au verset 15 jusqu'au verset 17. Verse 15, actually. Car je ne sais pas ce que je fais. For that which, okay, from verse 14, yeah. In English, for we know that the law is spiritual. No, 15, go to 15. For that which I do not allow. Yes. Je ne fais pas ce que je veux. For what I do. Et je fais ce que je hais. That I do not, I hate. Can you read it again from the beginning, the whole verse, please? For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not, but what I hate, that I do. Exactly. Maintenant, écoutez le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. If then I do which I would not, I consent unto the law that it is good. Et maintenant, écoutez. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Now then, it is no more I that do it. Mais c'est le péché qui habite à moi. The sin that dwelleth in me. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais. For I know that in me, n'habite pas en moi, that is in my flesh, c'est-à-dire dans ma chair, dwelleth no good thing. J'ai la volonté, for to will, mais non le pouvoir de faire le bien. Is present with me. Car je ne fais pas le bien que je veux, for the good that I would do, et je fais le mal que je ne veux pas. I do not. Si je fais ce que je ne veux pas, but the evil which I would do, ce n'est plus moi qui le fais, that I do. C'est le péché qui habite en moi. Yeah. Now, if I do what I would not, it is no more I that do it, but sin that way. Comprenez-vous bien aimé? Do you understand, beloved? Celui qui est allé avec Christ à la croix, the one that died with Christ on the cross, reconnaît finalement, knows finally, qu'il est différent de ce qu'il est en train de faire. That he is different to what he is doing. Il dit ceci. He says this. Ce n'est plus moi qui l'ai fait. It is no longer I. Il s'agit maintenant de vous, l'homme intérieur. It is now the man inside. C'est cette personne-là que Christ est venu sauver. It is that person that Christ came to save. Et nous avions, si vous vous rappelez le dimanche passé, and if we remind ourselves of that, nous avons dit que nous serons changés. We said that we will be changed. En lisant 1 Corinthiens 15, reading 1 Corinthians, verset 51 et la suite, verse 51, il dit que nous serons changés. We will be changed. Car ce corps, because his body, comme il est, as it is, n'héritera pas de l'incorruptibilité. Will not inherit the incorruptible. Non, n'héritera pas du royaume des cieux. Mais nous serons changés. So we'll be changed. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, that is why a child of God, avant quand j'étais dans le monde, being in the world, on m'est trompé par le péché. Quand il y avait le désir du péché, when they were the desire to sin, mais je pensais que c'était moi. I thought it was me. Quand il y avait le désir de faire du mal, when there was the desire to je pensais que c'était moi. I thought it was me. Mais quand Christ m'a affranchi, when Christ, freed me, redeemed me de la loi du péché et de la mort. From the law of sin and maintenant, je reconnais que ce n'est plus moi. Now I know that it's no longer dis, mais c'est l'autre Seigneur. But it's the other one, c'est comme Ève et les serpents. It is like Eve and dis, ce n'est pas moi, Seigneur. C'est les serpents. Serpent. Nous reconnaissons par là qui nous sommes un être double. We are born again. We
double. We are dual person. Nous avons la nature. We have the nature. Et nous avons l'esprit au dedans. And we have the spirit. Et l'esprit dit, and the spirit says, moi je ne prends pas plaisir au péché. Of sin. Mais la chair dit, but this, flesh says, moi je prends plaisir au péché. Et si l'homme dit, and this man, si je fais le mal au Seigneur, if I do bad, ce n'est pas moi. Not me. Non, tu m'as déjà affranchi. Mais c'est ce corps. It's the body. C'est ce péché, c'est ce corps de péché. It's this body of sin qui est vendu au péché. That is, subject qui to fait cela. Pouvez-vous dire la même chose? Can you say the same thing? Pouvez-vous vraiment reconnaître cela? Can you truly recognize que vous êtes, si ces choses ne se passent pas en vous, passing, si vous prenez encore plaisir aux œuvres du malin, si vous aimez encore les choses qui ne marchent pas correctement avec Dieu, c'est que vous n'avez pas été au calvaire avec Christ. C'est que vous n'avez pas été libéré de ces choses. Mais quand l'esprit est libéré, l'esprit reconnaît par là sa nature. Reconnaît ses origines. Reconnaît son père. Reconnaît son créateur. Et quand maintenant le péché vient, l'esprit dit non, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est l'autre. C'est le péché des corps. Moi, je ne fais pas ces choses. Moi, je ne prends plus plaisir au péché. Oh, que Dieu soit béni. C'est là, bien-aimé, on dit que vos œuvres luisent. Que vos œuvres luisent. Shine. Devant tout le monde, everyone, afin qu'il glorifie Dieu. So c'est God, quand vous pouvez arriver arrive, à dominer sur le corps, que l'homme intérieur domine sur le corps. Over the body, et en ce moment-là, moment, vous pouvez en comprendre maintenant pourquoi la Bible dit résister au péché, résister à l'ennemi, il fuira loin de vous. Il dit n'obéissez pas à la chair et à ses désirs. Pour en satisfaire ses convoitises, pour en satisfaire ses désirs. To satisfy its desires. Mais nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, bien aimé, c'est quand vous comprenez que vous êtes différent, that you are different, vous venez de Dieu, you come from God, vous retournerez à Dieu. You're going to God, mais la chair the flesh a été placée ici has been placed here, juste pour la période de l'épreuve, des tests. Just for the period of the test. Quand pour être testé dans ce corps. Mais nous sommes ce qui est à l'intérieur. We are what we are inside. C'est ça qui est très important. That is very important. Si vous comprenez, bien aimé, c'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Parce que maintenant, la semence de Dieu habite dedans de vous. Vous connaissez qui vous êtes. You know who you are. Vous savez d'où vous venez. You know where you are coming from. Et quand vous regardez le péché, when you look at sin, vous en avez le dégoût. You detest it. You cannot abide with it. Quand vous voyez des péchés, il n'y a pas moyen de complaire, de tout plaisir, mais c'est le moment. Parce que vous êtes dégoûté. Because you are, you've lost. Disgusted. Yeah. You say it because you're disgusted or lost taste. Que Dieu soit béni. Amen. J'espère qu'on reviendra sur ce genre d'enseignement encore davantage. We will come back to this teaching. Un enfant de Dieu, a child of God, reconnaît sa nature double. Knows his double nature, yeah. His dual nature. Il y a cette partie spirituelle qui prend plaisir à la loi de Dieu. That takes pleasure to, in the law of God. Et il y a cette partie charnelle and there's this carnal part qui continue à aimer les choses that du monde. Continues to love the things. Mais vous, but you, vous avez le pouvoir de dominer sur cette chose. You have the power to dominate over this. Même Dieu a dit à Caïn qui était du malin, even God says to Cain, les péchés couchés devant ta porte. Sin is crouching at your door. Mais toi, domine sur so lui. You must domain over. Vous avez le pouvoir de dominer you sur have le péché. The ability, the power to dominate. De commander la chair. To command sin, et il vous obéit. And it will obey you. Ne laissez pas la chair. Don't let the flesh vous dominer. Domain over you. Et vous donner ses ordres. And give you its order. Retournons dans Matthieu 27. Returning in Matthew 27. Verset 11. Verse 11. Okay. From verse 11.
Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'es dit. » Meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, « Are you the king of the Jews ?» You have said so, Jesus replied. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?» Then Pilate asked him, « Don't you hear the testimony they are bringing against you ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. But Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» So when the crowd had gathered, Pilate asked them, « Which one do you want me to release to you, Barabbas or Jesus who is called the Messiah ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. For he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » When Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message, « Don't have anything to do with that innocent man, but I have suffered a great deal today in a dream because of him. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » « Which of the two do you want me to release to you ?» asked the governor. « Barabbas, they answered. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » « What shall I do then with Jesus who is called the Messiah ?» Pilate asked. They all answered, crucify him. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Why? What crime has he committed? Asked Pilate, but they shouted all the louder, crucify him. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent, du sang de ces justes, cela vous regarde. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. All the people answered, his blood is on us and on our children. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Prenons, prie encore un peu. Let's pray again. Notre bien-aimé Père qui est au ciel. Our beloved Father who is in heaven. La prière t'a été déjà présentée par ton enfant, Père. The prayer has already been presented to you by your child. Pour que tu nous conduis, Dieu de grâce, aujourd'hui encore dans la parole que nous allons apporter ce matin. So that you may lead us, God of grace, in the world, in the word that we are going to. J'ajoute mes paroles à celles qui ont déjà été présentées. I'm adding my words to what has been presented already. Dieu de grâce, agrée cela, Père. A God of grace, agrée, accepte cela. Allowed it. Et que vraiment ton esprit nous conduise réellement dans toute la vérité. And may your spirit lead us in all truth. Et c'est là notre prière. That is our prayer. Que nous t'avons présenté. As we have presented. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Frère, je suis très content de la traduction. Frère Achille qui fait un bon travail. Frère Sébastien aussi. C'est vraiment très, très bien. Je sais que Dieu nous aidera, nous conduira davantage à être vraiment de véritables hommes et femmes de Dieu qui servent vraiment Dieu de tout leur cœur dans cette ville et dans ce monde même
veux le dire, pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui d'un titre qui est assez poignant pour moi personnellement. Le titre, c'est un message prêché par notre frère Branham qui s'intitule « Que ferais-je ?» We are going to speak of a title today. D'un titre du message, we are going to speak of a title of the message qui s'intitule « Que ferais-je de Jésus appelé Christ ?» It says, what will we do with Jesus called Christ? Amen. Nous nous trouvons ce matin dans une salle de tribunal. We find ourselves this morning in a room of court of justice. Et la scène que nous avons, c'est notre Seigneur qui est amené là-bas pour être condamné. And the room is the place where our Lord has been brought to be condemned. Condamné par préméditation. Condemned by Premeditation, yes, it's the same word in English. Condamné par jalousie. Condemned by jealousy. Par méchanceté. By wickedness. Par le peuple juif. By the Jewish people. Par ses sacrificateurs. By the high priests. Par tous les conseils de l'Église à Jérusalem. By all the council of the church in Jerusalem. Exactly. Parce que leurs œuvres n'étaient pas ne reflétaient pas ce que Jésus disait. Because their works did not reflect what Jesus was saying. Mais Pilate ainsi se trouvait devant une situation difficile. But Pilate found himself in a difficult situation. Pas difficile dans le sens qu'il ne pouvait pas prendre une décision valable. Not difficult in the way that he could take decisions that were valuable. Car Dieu ne nous met jamais devant une situation dans laquelle il n'y a pas de sortie. Because God never puts us in a situation where there is no way out. Dans tout ce que Dieu nous donne, in all that God gives us, comme épreuve, as a work, il y a toujours une voie de sortie. There is always a way of getting out. Tu ne seras jamais bloqué complètement. You will never be completely blocked. Il y a toujours un salut. There is always a salvation. Je me rappelle une fois une sœur il y a très longtemps. I'm remembering one time a sister from a very long time. Et qui avait eu un songe. And she had a dream. Et elle était, en fait, j'appelle ça, mais c'était une croyante catholique. She was a Catholic believer. Yeah. Alors elle m'avait appelé chez elle. And she called me to her place. Elle dit, frère Paul, j'aimerais vous soumettre un problème. She said, brother Paul, I want to tell you a problem. Elle dit, sœur, vous pouvez parler. Je suis allée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? And I went and I said, what's wrong? Elle dit, j'ai eu un songe qui me dérange. She said, I had a dream that is disturbing me. Elle dit, raconte ton songe, ma sœur. She said, tell your dreams. Elle dit qu'elle était quelque part. And she was somewhere. Et elle était comme s'il y avait une route. Je crois que si je me rappelle bien, il y a plusieurs années, et les gens marchaient, puis quelqu'un l'a arrêtée. And while she was walking, someone stopped her. Et la personne était arrêtée le long de la route. And someone stopped her. Along the road, il y avait un petit sentier. There was a little path. Et le sentier n'était pas visible. And the path was not visible. Pour les gens qui passaient. For the people that were passing et by. La personne était là, lui dit, toi tu passes par ici. And the person that was there said, you must pass this way. Mais quand on les regardait, ne voyait pas le chemin pour marcher. But when she was looking, she could not see the path. Mais la personne dit, toi tu passes par ici. But the person said, you must pass there. Mais dit, mais où est-ce que par où je vais passer? She said, where can I, where can la personne dit, mais tu passes toi par ici. But the person said, you must pass this way. Et comme elle était là en train de se poser des questions, and she was there asking herself, la personne s'avança. The person carried on. Et quand elle s'avança, elle écarta un petit peu les herbes. And when he moved forward, he pushed a bit the trees that were there. Non, the bush. Et il y avait un sentier là, un tout petit sentier. There was a tiny path there. Et dit, c'est ça le sentier sur lequel tu dois être. And he said, this is the way that you must walk. Et la sœur m'a demandé, and the sister asked, frère Paul, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Brother Paul, what did this mean? Moi, dit, ma sœur, I said, my sister, tu es dans le système catholique. You are in the Catholic system. Tu es en train de suivre la foule. You are following the crowd. Jésus t'appelle à pouvoir marcher sur les petits sentiers. Voyez-vous, bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu a placé devant nous. Il y a toujours une voie de sortie pour un enfant de Dieu. Et Pilate était devant ces cas où la foule insistait pour pouvoir ainsi qu'il puisse crucifier le Seigneur Jésus. Where the crowd was
insisting that he must crucify the Lord Jesus Christ. Pilate dit, mais je l'ai interrogé. Jesus Christ said, I interrogated. Je ne vois pas pour quelle raison on doit le tuer. I don't understand why we must kill him. Il n'y a pas de raison, il n'a commis aucun mal. There is no reason he has not committed anything. J'ai regardé, j'ai examiné son cas devant vous. I examined his case before. Mais il n'y a rien qui mérite qu'il soit tué. But there is nothing that shows that he must be killed. Et, mais il dit, mais non, nous voulons quand même qu'il soit tué. But the crowd said, no, we want him to. Nous ne voulons pas qu'il puisse vivre. We don't want him to stay alive. Mais comme Pilate voulait, comment je veux dire, contenter la foule, plaire à la foule. But as Pilate wanted to... To please the crowd. Il leur a dit, he told them, normalement par habitude, normally, by habit, où nous la relâchons un prisonnier les jours de la fête. We release a prisoner. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas, you want me to release Barabbas, qui est un très mauvais, who is very bad, un meurtrier, a murderer, un brigand, un bandit. Mm-hmm. Ils ont dit, non, 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 non. They said no. Nous préférons qu'il puisse même venir encore casser nos maisons. Nous préférons même qu'il puisse encore tuer nos enfants. Mais tuons-nous ce monsieur-là, ce autre-là, vous devez le tuer. Il dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire de Jésus appelé le Christ? Ils ont dit, crucifie-le. Nous voulons le voir crucifié. Sans raison. Bien-aimé, ça c'était Pilate. Vous pouvez dire, c'est quelque chose qui date. That is something qui which has passed already. Mm-hmm. Ça fait 2000 ans de cela. It's 2000. Et que maintenant c'est une autre génération. And now we're in another generation. Mais la Bible nous dit, but the Bible tells us, dans Ecclésiaste, in Ecclésiaste, que une génération s'en va, a generation goes, et une autre revient, a new one comes, et les mêmes péchés demeurent, and the same sins remain, les mêmes choses demeurent, the same things remain. Aujourd'hui, bien-aimé, today, beloved, Christ qui a été crucifié d'abord dans le temps passé, Christ was crucified in the time before, Christ est la parole, Christ is the word of God, et la parole went, and the anointed words. Mm-hmm. Et il est dit ceci que il est le Messie. He is the Messiah. Il est né Christ. He was born Christ. Et Seigneur. And Lord. Et il a été appelé Jésus. And he was called Jesus. Qui est appelé Jéhovah le Sauveur. Who is called Jehovah the Savior. Il est né Christ. He was born Christ. Parce que quand l'ange est venu, when the angel came, parla au berger, speaking to the, il dit qu'aujourd'hui dans la ville de Jérusalem, in the city of Jerusalem, of Bethlehem, il vous est né un sauveur. There is born a savior. Qui est appelé? He is called? Le Christ le sauveur. Christ the savior. Et voilà, il leur a donné les signes. And he showed the signs. Mais quand la parole brute est venue, but when the word was brought, no, the anointed word had come, the people rejected it. Les gens ont rejeté cette parole. The people rejected this word. En disant, saying, éloignez de nous cette parole-là. Get away from us this way. Parce que nous ne la voulons pas. Because we do not want it. Bien-aimé, beloved, là où je vais vous amener ce matin, where I'm going to bring you this morning, c'est vers le même tribunal. It is before the, court of justice. Mais maintenant, ce n'est plus Pilate. But now it's no longer Pilate. Cette parole maintenant est présentée devant chacun d'entre nous. This word is presented to each one of us. Aux croyants et aux incroyants. Believer or unbeliever. Chacun d'entre nous doit prononcer son jugement. Each of us must pronounce his judgment. Doit prendre sa position. Must take his position. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle What Christ? Are we going to do with this Jesus who we call Christ? Il est dit ceci. It says this. Que dans la parole de Dieu, but in the word of God, a toujours été donné par portion. It was always given in portions. On l'appelle la nourriture de Dieu. We call it the food of God, au temps convenable. In the convenient time. Vous savez ce que nous connaissons aujourd'hui? You know what we know today? Luther ne les connaissait pas. Luther did not know it. Parce que ce n'était pas la parole pour son temps. Because it was not the word for ce que nous connaissons aujourd'hui. What we know today, ça a été même caché à Daniel. That was hidden even to Daniel. Parce qu'on a dit à Daniel, because it says to Daniel, scelle ces livres. Seal this book. C'est oui, scelle ces choses. Seal these things. Mais vers la, au temps de la fin, but in the end time, plusieurs les liront. Many will read it. Et la connaissance augmentera. And the knowledge will et Daniel ne comprenait pas ces choses. Mais nous pouvons les comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas que nous soyons plus intelligents que Daniel, mais parce que c'était la nourriture pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons comprendre cela. Mais chaque fois que la parole est venue, dans chaque génération, les gens ont rejeté ce que Dieu a dit. Ils ont rejeté la solution de Dieu. Ils ont rejeté ce que Dieu proposait pour vaincre le péché.
pour pouvoir ainsi vaincre l'esprit des âges. Et ils ont toujours rejeté cela. Et la même chose se passe aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter. Ils se sont donné tout un système. Un monde des églises. World Church. Des dénominations. Avec des quartiers généraux. With headquarters. Et là, ils décident ce qu'ils doivent faire. J'étais une fois quelque part. I was in a place, il y avait un mariage qui devait se passer. Et le frère, le ministre de cette, qui était là, qui devait présider le mariage, il y avait un cas qu'il fallait débattre au travers des Écritures. There was an issue which we have to sort out from the Scriptures. Et voilà que maintenant je suis arrivé au soumis les cas. There I arrived and I looked at the case. Alors j'ai dit voilà, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, voilà, la Bible dit cela, faisons ceci. And I said, look, the Bible says this, it is this. Il dit oui, d'accord. Said, yes, okay. Mais je dois d'abord demander l'autorisation à mon quartier général. I must first ask for authorization. Il dit frère, la Bible dit ceci. Pourquoi tu ne le fais pas? Why aren't you doing it? Non, je dois d'abord demander à mon quartier général qui était dans une autre ville. No, I must ask the headquarters that are in another city. Ouais, vous bien aimé. C'est ça, c'est que les gens sont devenus aujourd'hui. That's what the people have become today. Mais dans chaque âge, in each age, Dieu a toujours eu des témoins. God also always has witnesses. Parce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus a envoyé ses disciples, avant de quitter ses disciples, je voulais dire, vous connaissez cela, je vais seulement lire le verset 8. Il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand est-ce que Pierre est arrivé au Congo? Posez-vous la question, quand est-ce que même Paul est arrivé là-bas j'ai oublié de dire le village de frère Hugues, qui s'est mis, je ne sais pas comment, en Côte d'Ivoire. When did Paul arrive in... Ivory Coast, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Mais il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. But he said, you'll be my witnesses right before the ends of the earth. Vous comprenez, frère? Nous étions tous inclus là-dedans. We were all included inside that. Vous serez mes témoins. You'll be my witnesses. Dieu a toujours eu des témoins sur la terre. Jesus always, God always has même quand, oui, même quand les gens rejetteraient cela, il y a des gens qui se prendront, qui prendront aussi position, there are people that will take position sur la parole de Dieu. Upon the word of God. Pourquoi est-ce que les gens rejettent la parole de Dieu? Why do people reject the word? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que dit la Bible. Because they do not know what the Bible ils ne connaissent même pas ce que dit les Saintes Écritures. They do not even know what the Holy Scripture says. Vous pouvez des fois trouver des gens, you'll find people sometimes. Vous leur dites maintenant, bon, la Bible dit ceci. Ils vous disent non. They say no. Et puis ils disent, bon, lisons la Bible. They say, let's read the vous dites, ouvrons dans les livres, par exemple, de Matthieu. Open in the Bible of Matthew. Vous voyez, vous le voyez commencer à chercher Matthieu dans l'Ancien Testament. Vous vous posez la question. Mais il a dit qu'il ne connaissait pas ça. Il ne sait même pas où se trouve Matthieu. They don't even know where to find Matthew. Et ça, ça c'est encore un peu. Mais ils ne savent même pas ce qui est écrit dans la Bible. They do not know what is written in the Bible. Mais ils peuvent vous dire ce que leur catéchisme dit. But they can say what their catechism. Yes, it is the church books are saying. Mm-hmm. Ils peuvent vous dire ces choses. Mm-hmm. They can say these things. Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de pouvoir ainsi faire avec nous. But that is not what God is trying to do with us. Et vous savez bien aimé, avant de pouvoir rejeter ce que la vérité. And you know, after rejecting the truth. Before rejecting the truth, vous devez vous battre contre cela. You must fight against it. Parce que quand c'est prenons un peu dans Proverbes, c'est dans Proverbes. In Proverbs, chapitre 1. Oui, verset 20. Verse 20. Il est dit ceci. Proverbes 20, verset 20. Proverbs 20. Il dit la sagesse crie dans les rues.
out in the open wisdom calls aloud. Oui, mais ce n'est pas que peut-être le pasteur va venir vous prêcher. It's not that maybe the pastor will come and preach. Mais même quand vous devez faire quelque chose, even when you must do something, si c'est faux, if it's wrong, au dedans de vous, in you, quelque chose va crier, something will cry, arrêtez, arrêtez, c'est faux. Doing that is bad. C'est comme si vous voulez boire de l'acide. It's like if you want to drink from the... Quelque chose en vous dedans de l'acide. Oh, yeah. Est toxique. Mm-hmm. Quelque chose en vous dit, ne touchez pas à ça. Someone will tell you, do not touch that. Si vous voulez voler, if you want to steal, et vous entendrez une voix au dedans de vous. Hear a voice in you. Dites, ne vole pas. Do not steal. Ne touche pas. Don't touch that. Si vous voulez aller commettre n'importe quoi, if you want to commit whatever, une voix intérieure vous dira, ne le faites pas. An interior voice will tell you, do not do that. La Bible dit ici, the Bible says verset here, 20, verse 20, la sagesse crie dans les rues. Out in the open, wisdom calls aloud. Elle élève, les voix dans, elle élève la, sa voix dans les places. She raises her voice in the public square. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. On the top of the wall, she même quand vous voulez aller dans des discothèques, even when you want to go in the nightclubs, mm-hmm. elle crie dans les lieux bruyants. She cries out. Elle crie là où il y a vraiment le péché, ces choses. She cries out when where there is sin. Aux portes dans aux portes. In at the city gate. Dans la ville. In the city. Elle fait entendre ses paroles. She makes her speech. Frère, ça, ce n'est pas moi. That is not me. Ce n'est pas dans l'église. It is not in the church. C'est partout où vous allez. Or where you go. Dans la ville. In the city. Dans les stades de football. In the stadium football. Dans les boîtes de nuit. In the nightclub. Dans les fêtes. In the partout où le péché vit. Wherever sin la sagesse crie. The wisdom cries quelque out. Chose à vous dire. Something in you vous says. N'êtes pas de cette génération. You are not of this generation. Oh frère, oh, ça c'est quelque chose. Avant de pouvoir commettre le péché, sin, vous devez marcher sur la parole de Dieu. Along on the word of God. No, you have to walk with the word of God. No, not walk with. To walk on the work of the word of God. Eh? With, you said. Sorry, misunderstood you. Okay. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. She cries in the city. Non, lieu bruyant, verse 21. On top of the wall, she cries out. Aux portes. At the city gate. You know what? Aux portes, c'est là où on faisait les jugements. At the city gate, that is where they make the judgment. C'est là où les gens, quand il y avait des problèmes, on allait les anciens s'asseoir aux portes. Where there was problems, the elders would sit at the gate. Et juger les gens. And judge the people. On dit, dans la ville maintenant. In the city now, vous entrez dans la ville. You are going into the la city. Sagesse continue à crier. Wisdom continues to cry out. Elle peut entendre ses paroles. And she makes you hear your words. Jusqu'à quand écouter ses paroles? Right, how long? Stupide, aimerez-vous la stupidité? Will you who are simple love your simple way? Jusqu'à quand les moqueurs? How long will mockers? Se plairont-ils à la bouche? Delight in mockery. Et les insensés, haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Hier soir, nous écoutions les frères. Nous disons que celui qui veut se perfectionner doit aimer la correction. La sagesse dit ceci. Tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes parce que vous êtes sur une mauvaise voie. Continuons la lecture. Oh, que Dieu soit glorifié. Alors, si, attends. En 20 secondes, first. Jusqu'à quand moqueurs se plairont? Non. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont à la moquerie? Yes, go ahead or something. Come, go back on 20 seconds. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? How long will the mockers delight in mockery? Et les insensés haïront-ils la science? And fools hate knowledge. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Then I will pour out my thoughts on you. Je vous ferai connaître mes paroles. I will make known to you my teaching. Puisque j'appelle et que vous résistez. But since you refuse to listen, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. No one pays attention when I stretch out my hand. Puisque vous rejetez tous mes conseils. Since you regard all my advice, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. And do not accept
my rebuke. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. I in turn will laugh when disaster strikes. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. I will mock when calamity overtakes. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. When calamity overtakes you like a storm. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. When disaster sweeps over you like a whirlwind. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. When distress and trouble overwhelm you. Alors ils m'appelleront. Then they will call to me. Et je ne répondrai pas. But I will not answer. Ils me chercheront. They look for me. Et ils ne me trouveront but pas. Will not find me. Parce qu'ils ont haï la science. Since they hated knowledge. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. They did not choose to fear the Lord. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Since they would not accept my advice. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. And spurned my rebuke. Ils se nourriront du fruit de leur they voix. Will eat the fruit of their ways. Et se rassaisiront de leurs propres and conseils. Be filled with the fruit of their speech. Car la résistance des stupides les tue. For the waywardness of the simple will kill them. Et la sécurité des insensés les perd. And the complacency of fools will destroy them. Mais celui qui m'écoute whoever listens to me reposera avec assurance. Will live in safety and be at ease. Il vivra tranquille without fear et sans craindre aucun mal. Without fear of harm. Bien-aimé, voyez-vous ce que c'est? Beloved, do you see what is here? Dieu nous parle même quand nous ne faisons pas attention. God is speaking to us even when we do not pay attention. Il dit que c'est ici finalement. Vous n'écoutez pas mes conseils. You do not listen to my advice. C'est Dieu qui parle. Avant de pouvoir ainsi rejeter la parole de Dieu, ce qui est juste, vous devez carrément marcher dessus. You must walk on it. Vous devez carrément dire, Seigneur, je n'en veux pas. You must say, Lord, I don't want it. Mm-hmm. I don't want it at all. Vous vous rappelez l'histoire de cette fille du diacre du temps de Frère Branham? In the time of Brother Branham, the story of a girl. This a deacon daughter. Mm-hmm. Et elle venait à l'église. She was coming to church. Et se méconduisait. And she misbehaved. Mm-hmm. Herself. Et Frère Branham cherchait à la ramener au Seigneur, lui parlant gentiment. And Brother Branham was seeking to bring her to the Lord and speak to her gently. Et alors, elle disait que même ma vache, je ne supporterai pas que ma vache puisse écouter votre religion. And said, I will not support even my cow. My cow to listen to this or yeah. Support this religion. Frère Branham lui dit, écoute, c'est comme tu veux, je fais ce que je pouvais. Brother Branham said, listen, it's as you wish, I did what I could. Elle est partie. She went. Et un jour, elle est revenue. And one day she came back. Habillée mal, vraiment dans un état terrible. Dressed in a really bad way. Alors elle dit ceci au Frère Branham. And she said this to Brother Branham. Vous savez, you know, Frère Branham, ce jour où tu me parlais là, that day when you were speaking to me, le Seigneur m'a appelé réellement. The Lord called me truly. Mais j'ai refusé. But I refused it. Et depuis lors, and since then, j'ai pu voir l'âme de ma mère, I can see the soul of my mother, frire donc fried, et en enfer, in hell, et en rire. And I'll laugh. Frère, il y a un moment, brother, moment où vous aurez votre dernière chance. Where you'll have your final chance. Sœur, vous aurez votre dernière you'll chance. Have your final chance. C'est pourquoi la sagesse crie dans les lieux publics, cries in the public place, dans les rues, in the roads, les places publiques, the public place, disant, saying, revenez. Come back. Mais les gens the people pensent que Dieu think that God est une histoire is a story des traditions. Of c'est pour ça qu'ils rejettent la parole et préfèrent ainsi prendre leurs traditions, ce qu'on leur dit dans l'église. Oui, une fois j'ai croisé un frère qui était dans une dénomination et il voulait avoir le Saint-Esprit. Et dans cette dénomination, on lui avait dit pour avoir le Saint-Esprit, tu dois te coucher sur un banc pendant un certain nombre de jours pour avoir le Saint-Esprit. Heureusement que le frère plus tard a compris les sorties de cette dénomination. C'est maintenant lui qui racontait les témoignages. Voyez-vous les choses? Des fois, les gens se soumettent à ce genre de croyances. Alors qu'il n'y a pas de fondement dans les Écritures. But there is no founding in the scriptures. Mais quand il n'y a pas de fondement dans les Écritures, when there is no founding in the scriptures, alors il n'y a pas non plus d'accomplissement de ce que vous well, attendez. No accomplishment for what you're waiting for. Parce que Dieu n'est pas lié à ce genre d'enseignement. God is not in line with those things. Mais si vous obéissez à Dieu, but if you obey to God, et si vous suivez la parole de Dieu, and if you follow the word of God, vous allez avoir le Saint-Esprit promis. You will see the promised Holy Spirit. Yes, c'est ce que la Bible dit. That is what the Bible says. Mais pourquoi les gens ne veulent pas croire la but parole de Dieu? Why people do not want to believe the word of God?
God. Et ils veulent croire aux traditions passées. And they want to believe the traditions. La chose est allée au point où tel que du temps de Jésus. The thing was that in the time of Jesus. L'Église doit d'abord rejeter. The church must first reject. Le Messie. The Messiah. Et quand le Messie a été rejeté. And when the Messiah was rejected. Il fallait maintenant que les gouvernements soient impliqués. The government must now be involved. Involved. Les gouvernements devaient maintenant être impliqués à cela. The government must now be involved in that. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. That is what we are seeing even today. Frère, je suis tellement étonné dans ce pays dans lequel nous vivons. I'm so surprised in this land that we are living in. This les gens écoutent le gouvernement comme s'ils écoutaient Dieu lui-même. The people listen to the government as if they're listening to God himself. Frère, même si le gouvernement nous dit aujourd'hui que vous pouvez être homosexuel. Brother, even if the government says today that you can't be homosexual, les gens vont les faire ça avec beaucoup de joie. People will do it with much joy. Mais les enfants de Dieu but the children of God n'ont qu'une seule oreille. Have only one ear. Et cette oreille and this ear est tournée vers Dieu. Turned toward God. Nous n'avons pas à nous soumettre à une autre loi. Not submit ourselves to another glory. C'est comme par exemple, bien-aimé. By example, vous trouvez un véhicule. You find a vehicle, une belle voiture. A beautiful car. Cette voiture a été pensée. This car was bought. Non, pensée. Thought, someone as it for. Et fabriquée. And fabricated. Par quelqu'un. By someone. Qui connaît comment est-ce que telle mécanique s'emboîte dans une autre mécanique. That knows how this mechanic can put it in. Et comment est-ce que la voiture peut bouger. And how this car can move. Et nous savons ce que l'être humain and we know that we are human a été fabriqué had been fabricated par une intelligence by an intelligence qui sait comment ce corps doit marcher that knows how this body must move. Et c'est lui seul qui peut te dire ce qu'il faut faire pour faire ce qu'il faut faire. And he's the only one that can tell you what to do, to do this how to move it, how to maintain it mm-hmm. pour entretenir cela. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient, dis-moi, je te dis que cette voiture peut marcher autrement que ce qui a été prescrit au commencement. Non, il n'est pas votre ami. Il cherche à détruire votre vie. La même chose. Si quelqu'un vient vous donner autre chose que ce que Dieu a dit, il cherche à vous détruire, c'est votre mort qu'il veut. Bien-aimés frères, maintenant nous allons, comme je dis, je prends mon temps, je ne vais pas les trouver, si on ne termine pas, ce n'est pas très grave. As I said, I'm taking my time, I'm not going to go too quick. Frères, bien-aimés, nous avons dit que la parole de Dieu a été donnée par portion. Brothers, we have said that the word of God has been given by portion. Par âge. By age. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, if we go in the book of Revelations, vous verrez que, we see that, que, il y a eu des messages à l'âge de à l'ange plutôt d'Éphèse. A message was given to the angel of Ephesus. Smyrne. Of Samaria. Thyatira. And Thyatira. Yes. Il y a Thyatira, il y a Sardes. You have Sardius. Il y a comment on dit Smyrne. Smyrne puis Sardes. Chapter 2. Ma fille, bon, elle va regarder parce que les noms sont difficiles pour elle à prononcer. À partir du chapitre 2, dans le livre d'Apocalypse. Mais je ne vais pas parler. C'est juste pour mentionner cela, comme ça. You got it? From verse 12. You got écrit à l'ange de l'église de... Non. Sorry. First one, sorry. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2, from verse 1. Ephesus. Yeah. Et puis au verset 8, écrit à l'ange de Smyrne. And the church of Smyrna. Yeah. Et puis au chapitre 3, au verset 12, pardonnez-moi, je voulais dire, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergamos. Et puis au verset 18, c'est pas pour que le chapitre vienne dans ma bouche, écrit à l'ange de Thyatira. And written to the church of Thyatira. Et puis maintenant au chapitre 3. À partir du premier verset, tu as l'église de Sardes. The church of Sardis. Au plus au verset 7, l'église de Philadelphie. And the church of Philadelphia. Au verset 14, l'église de Laodicée. And verse 14, the church of Laodicea. Toutes ces églises all these churches
étaient les différents âges were the different ages que Dieu a ainsi donné comme le temps des nations, that God gave as the time of the nations, pour que les nations puissent être sauvées. But the nations can be saved. Car il nous est dit dans les Écritures, he says in the scriptures, que, prenons dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11. Il est dit ceci au verset 25. It says in verse 25. Attends, je vais peut-être prendre encore un autre verset. Non, ça va, c'est pas grave. Verse 25, sorry. Mm-hmm. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. That you may not be conceited. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Israel has experienced a hardening in part. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Until the full number of the Gentiles has come in. Vous voyez bien, aimé. You see, beloved. La totalité des païens entre. The total. Of the Gentiles. Mm-hmm. Will get in. Will get in, yeah. À la fin de ces âges de l'Église. At the end of the age of the church. Et cela va se mettre ensemble avec l'enlèvement de l'Église. And this will submit also with the rapture of the church. Nous sommes dans le temps, bien aimé, où nous allons vers l'enlèvement de l'Église. We are in a time where we will experience the rapture. Et cela peut arriver n'importe quand. And this will come at any time. Et cela peut arriver maintenant. This can come now. Cela peut arriver dans une semaine. Week, dans 10 minutes, in 10 minutes, parce que nous sommes arrivés. Le frère Franck disait ceci. Frank this, je vous ai tout dit, je n'ai rien à ajouter. Et ça, c'est l'enseignement qui a été, le ministère qui a été donné. That was given, pour le perfectionnement des saints. De la même façon que nous sommes érigés, nous sommes bâtis, build up. We are built up. Sur le fondement des prophètes et des apôtres. The foundation of the prophets and the apostles. Quand le prophète Branham est parti, le ministère d'enseignement a suivi. The ministry of teaching followed. Et cela est conforme aux Écritures. And it's conformed to the scriptures. Pour que nous puissions bien saisir ce que Dieu a voulu dire au travers du ministère so de prophète. That we can truly understand the ministry. That came from the prophet Branham. Je vais y arriver, je vais revenir là-dessus tout à l'heure si nous avons le temps. Et c'est pour ça que, bien aimé, on dit que je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Comment dire? Que vous ignoriez, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. That you may not be conceited. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, ils sont aveuglés. Israel has experienced a hardening in part. They have been blinded. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Until the full number of the Gentiles is coming. Bien-aimés, un jour, peut-être le dernier est en train d'entrer maintenant. One day, maybe even right now, the last one is being called. Pas les Juifs, les gentils. Not the Jews, the Gentiles. Il est en train d'entrer maintenant. Dès qu'il rentre, faire la porte est fermée, nous partons. Amen. Once he enters, the door is closed and we're leaving. Nous partons, rentrons à la maison. We will enter back home. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit encore. What Jesus Christ said himself. Dans le livre de Luc au chapitre 21. In Luke chapter 21. Il dit ceci. He says this. Au verset 24, in verse 24, il dit ceci. He says this, et parlant des Juifs parce qu'ils avaient rejeté. He's speaking of the Jews because they had rejected, ils avaient rejeté le Messie. They rejected the Messiah. Et maintenant, il leur dit ceci. Il annonce aux disciples ce qui va arriver. And now he was announcing to the disciples what was on peut même commencer à partir du verset 20. We can even start from verse 20. Frère, cela est arrivé aux Juifs. Brothers, this arrived at the Jews. Et cela va arriver à vous qui ne croyez pas à la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, armies, c'est dans l'an 70 de notre ère. Sachez alors que sa désolation est proche. You will know that its desolation is near. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Let those in the city get out.
Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. And that those in the country should not enter the city. Car ce seront des jours de vengeance. So this is the time of punishment. Pour l'accomplissement de ce qui est écrit. The fulfillment of all that has been written. Ils ont dit. They said, nous l'avons lu dans Matthieu 27. We read in Matthew 27. Que son sang retombe sur nous. That his blood falls on et sur nos enfants. On our children. Frère, ils étaient méchants quelque part. They were wicked. Ils auraient dû demander que ce sang tombe sur eux. L'Holocauste est arrivé à cause de cette parole. Ils ont demandé que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. Ils n'auraient pas dû demander de choses comme ça. C'est pour ça que en l'an 70, le général Titus, il est venu. Il a environné la ville. And he surrounded the city. Et ils ont été affamés. And they were in. They were starved. Mm-hmm. They were in famine. Starved. Ils ont été affamés jusqu'à la mort. Right up until death. Ils ont commencé à se manger entre eux. They started to eat each other. Et Jésus dit ceci. And Jesus said this. Parlons maintenant aux enfants de Dieu, aux véritables croyants. Alors, il dit que ceux qui seront, verset 21, en Judée fuient dans les montagnes. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Let those in the city get out. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. And let those in the country not enter the city. Car ce seront des jours de vengeance. So this is the time of punishment. Pour l'accomplissement de ce qui est écrit. The fulfillment of all that has been written. Malheur aux femmes qui seront enceintes à celles qui allaiteront en ces jours-là. How dreadful it will be for those days. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Et de la colère contre ce peuple. Écoutez, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Les Maccabées ne pouvaient rien changer à cela. Maccabées, it is a kind of a sect in the Judaïa people. J'ai vu un reportage sur la télé sur ça, comment la ville était prise morceau par morceau. I saw a report on TV how the city was taken piece by piece. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Will be taken as prisoners to all the nations. Qui peut contester cela? Who can contest it? Les Juifs sont en train de retourner maintenant chez eux. The Jews were returning back to their place. Parce que Dieu, nous allons voir cela comme il est dit dans Hosea 6, nous lirons cela tout à l'heure. Because, as God was saying in Hosea chapter 6, ils veulent aller les ramener. Mais dit, et Jérusalem, écoutez cela. Jerusalem. Écoute, frère, maintenant ça c'est pour nous. Now this for us. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Until the times of the Gentiles are fulfilled. Les temps des nations sont comptés. The time of the nation is counted. Les temps des nations sont comptés aujourd'hui. The time of the nation has been counted. Qu'importe ce que les dirigeants de ce monde disent. No matter what the people of this world la Bible dit ceci. The Bible says this. Quand ils diront paix, paix, sûreté. Peace, peace and security. Mm-hmm. Une ruine soudaine fondra sur eux. It is a disaster will fall upon them. Mm-hmm. Ils ne savent pas comment cela va arriver. Ils ne s'y attendent pas. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les temps des nations sont comptés. The time of the nations is being counted. Et cela, nous devons faire attention, frère. And we must be very careful. Et vous et moi, and you and I, vous qui ne croyez pas, you who do not believe, vous qui ne voulez pas venir à Christ, you who do not want to come to Christ, vous avez aujourd'hui entre vos mains, pardonnez-moi de faire comme si je prenais ces choses, le sang de Jésus entre vos mains. The blood of Jesus in your hands. Que ferez-vous de ce Jésus what are you going to do with qu'on appelle Christ? That we call Christ? Nous avons lu dans un proverbe we read in Proverbs, que la sagesse crie à tout le monde, that the wisdom is crying out to everyone, dans les rues, in the road, dans les portes, in the gates, dans la ville, in the city, partout. Everywhere. Écoutez mes réprimandes. Listen to my rebuke. Bien-aimés frères, c'est là ce que je voulais amener l'attention du monde. This is what I wanted to bring. Des enfants de Dieu. The de tous ceux qui écoutent, même incroyants. All those who listen, il n'y a personne qui est épargné. There was no one who is spared from it. Si vous lisez dans Hosea chapitre 6 à partir du premier verset, juste pour, je vais mettre ces choses en place doucement, sans précipitation. I'm going to put these things in place slowly. La Bible dit ceci. The Bible says this. Venez, retournons à l'Éternel. Come, let us return to the Lord. Car il a déchiré, mais il nous guérira.
Il a déchiré Israël, il le guérira. J'ai dit, je crois que la semaine passée ou la semaine avant, je ne me rappelle pas, mais je pense que la semaine passée, j'ai encore répété cela, qu'il y a des religions qui enseignent que les Juifs sont des ennemis de Dieu. I was speaking last week or the week before, I do not remember, that the Jews are enemies of God. Certaines religions enseignent cela. Certain religions teach this. Et que pour les Juifs, c'est fini. And for the Jews, it's finished. Et qu'il y a des églises, des religions qui ont soutenu, who supported the Jews that could be killed during the Second World War. Can go ahead. Mais je parle en français. Que des gens qui soutenaient que les Juifs devaient être tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. There are certain churches or religions that teach that the Jews should have been killed during the Second World War. Parce qu'ils ont tué le Christ. Because they killed Christ. Vraiment, frère, que pour les Juifs, ce sont des ennemis de Dieu. Truly, they believe that the Jews are enemies of God. L'Église catholique était le porte-flambeau de cela. The Catholic Church was the leader in that. Ma fille et une de mes filles est venue de l'école avant les vacances ici. One of my daughters came from school. Me disant, papa, on nous a enseigné à l'école. They said, Father, Dad, they taught me at school. Que les chrétiens Christians étaient contre les Juifs. Were against the Jews. Pendant qu'on les tuait à Auschwitz. Whilst they were killing them at Auschwitz. J'ai dit, non. Said, no. Ça, c'est une déformation de l'histoire. Deformation of the story. Les chrétiens n'ont pas été contre les Juifs. The Christians were not against the Jews. Mais l'Église catholique était contre les Juifs. But the Catholic Church was against. Ne confondons pas, frère. Do not be confused. Mais nous étions à Rome il y a quelques années, il y a trois ans. Rome. Et nous sommes allés visiter les catacombes. And we went to go and visit the tombs. Là où les chrétiens se cachaient dans ce temps-là. There où il y avait the la persécution. Christians were hidden there. Et arrivé là-bas, il y avait une fille et une dame qui servaient de guide dans les catacombes. Et nous montrer là où les frères, ils avaient des endroits, ils avaient leurs réunions, ils se cachaient là sous terre. Frère, c'était impressionnant. It was amazing. Frère, vous qui ne voulez pas venir à l'église, ces gens, pour écouter la parole de Dieu, devaient aller dans des conditions terribles, difficiles. Vous, vous avez le luxe de vous asseoir dans une belle chaise, d'écouter une prédication, même on peut même vous donner de l'air climatisé. Mais vous restez à la maison. Parce que vous dites que je suis fatigué. Oh, je dois faire ceci. Enfin, cette dame. This woman. Je me rappelle, il y avait une dame, je ne sais pas si ma femme se rappelle de cette autre dame. Elle était asiatique, une chinoise, quelque chose comme ça. She was a Chinese, a kind of Chinese. Et elle venait du Canada, je me rappelle. She came from Canada. Elle était très bouillante. She was very she was so zealous, hot in the spirit. Alors la guide commença à nous dire que bon, les catholiques catholiques n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé pendant que les Romains tuaient les chrétiens. Had nothing to do with the Christians whilst the Romans were killing them. Et moi, j'étais calme, je regardais. I was looking, I was listening. Je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est l'Église catholique. No, this is not true, it was a Catholic church. Et la guide dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Not parce que le pape ne pouvait pas supporter because ça. L'Église ne peut pas supporter ça. Support. On s'est regardé. We looked at her. Dit, mais cette femme veut nous vendre des mensonges. L'histoire est écrite pour que chacun puisse lire. The story was written, so each must read it. Nous sommes sortis we came out des catacombes. Of the tomb. Et je vois la dame, l'asiatique, la chinoise. And I saw the Chinese woman there. Je dis, mais ce n'est pas possible. Oui, j'ai dit, mais madame, vous laissez tranquille. Nous savons la vérité. Ou soit qu'elle ne veut pas qu'on ait accepté la vérité. Mais la chose est que l'Église catholique a persécuté les croyants. Ne veut pas. Church was persecuting the true believers. Et ça, c'est dans cette génération. And that is in this generation. Nous étions, c'était en 2017, c'était quoi? 2017, nous étions à Rome. In 2017, we were in Rome.
Et nous sommes allés voir les Colisées. And went to see the Colosseum. Où là où vraiment on tuait les chrétiens dans ces grands cirques. There where they were truly killing the Christians. Comment est-ce que pouvez-vous rester là, mes frères? Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Brothers, God must open your eyes. Retournons dans la lecture. Yes, turning back to the Car il a déchiré, mais il nous guérira. Because he torn us into pieces, but he will heal us. Mais il a frappé, mais il bandera nos plaies. He has injured us, but he will bind our wounds. Il nous rendra la vie dans deux jours. After 2 days, we will revive us. Frère, Brothers, deux jours, un jour, c'est 1000 ans devant Dieu. One day, 2 days is 1,000 years before God. No, not 2 days. One day is 1,000 years. Et nous avons maintenant 2000 ans depuis que Christ a été crucifié. Les deux jours sont passés. Selon notre calendrier à nous. Et la Bible dit ceci. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Ça, c'est Israël, frère. Nous, nous sommes le temps des nations et sont comptés. Peut-être qu'on pensait, hier on pensait dans des années. Frère, personne ne sait quand l'enlèvement aura lieu. Peut-être aujourd'hui on commence à compter en jour ou en semaine, on n'en sait rien. We don't know. Mais l'homme de Dieu doit être prêt. But the man of God must be ready. Nous devons être prêts. He must be ready. Frère, la Bible dit ceci. The Bible says this. Le salaire du péché. The wage of sin is the penalty of sin. Not the penalty of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. The wage of sin or the penalty of sin is death. Et nous prenons ainsi, bien aimés, que nous comprenons par là que. And we understand by this that. Nous devons savoir. We must know. Ce que nous faisons de la parole de Dieu aujourd'hui. Ce que nous faisons de cette parole qui nous est présentée aujourd'hui. Et que nous n'avons pas pouvoir ainsi tourner autour. Je préfère encore m'arrêter ici une minute. Non, de dire ceci. Frère, ce qu'il y a comme chose à corriger dans votre vie. Faites-le maintenant. Do it now. N'attendez pas demain. Don't wait for tomorrow. N'attendez pas parce que, frère, Don't wait because comme goodness. Nous l'avons entendu à propos de notre bien-aimé frère Félix, il est parti sans même avoir dit au revoir à sa femme, sans avoir dit au revoir à son ses enfants, à l'église. Ces choses bien-aimées nous attrapent. These things trap us, sans nous demander notre autorisation. Ça vient, dit, tu pars, tu pars. It comes, you go, you go. Tu es lavé ou tu n'es pas lavé. You are washed or you're not tu es habillé ou tu n'es pas habillé. Tu travailles ou tu ne travailles pas. La mort s'en fout éperdument. Death does not, La mort s'en fout éperdument. Death does not care. Maintenant, bien aimant, le temps avance. Je n'aurai pas. Je vais introduire quelque chose et puis nous continuerons Dieu devant la semaine prochaine. I'm going to introduce something and then we'll continue next week. Vous savez, bien aimé, il y a quelque chose. You see, beloved, there's something. C'est que nous venons de dénomination. That we come from denominations. La plupart de toutes les dénominations, all denominations, ont un venin en elles. Have alcohol venin, a poison in them. Et ce venin vient de la mère, de leur mère. And this poison comes from their mother. Et cette mère est décrite dans Apocalypse 17. And this mother is written about in it described. It described in Revelation 17. Mm-hmm. Oui, il nous a dit que. But it tells us. Je lis seulement cela parce que ceux qui connaissent les Écritures savent de quoi. Il est question. First verse, verset premier. Mm-hmm. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vin et il m'adressa la parole en disant, One of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits by many waters. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. With her, the kings of the earth committed adultery. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. And the inhabitants of the earth were intoxicated with wine. Maintenant, bien aimé, non,
Vous savez tous, vous qui lisez les Écritures, you know, all of you who read the scriptures, que cette femme, that this woman, c'est une église. Is a church. C'est l'église catholique. It's a Catholic church. Nous n'avons pas le temps de pouvoir rentrer we don't have the time to enter into it, dans les détails de ces choses. In the details of these things. Et cette église, and this church, elle dit que, verset 4, verse 4, il dit ceci, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. This woman was dressed in purple and scarlet. Et parée d'or. And was glittering with gold. Des pierres précieuses. And precious stones. Et des perles. And pearls. Elle tenait dans sa main une coupe. She held a gold. Une coupe d'or. Remplie d'abominations. In her hand. Et des impuretés de sa prostitution. And filled with the filth of her adulteries. Sur son front était écrit un nom. The name written on her forehead. Un mystère. Mystery. Babylone la Grande, Babylon the Great. La mère des prostituées, the mother of prostitutes. Et des abominations de la terre. And of the abominations of the earth. Cette femme a des filles. This woman had daughters. Regardez, ce sont des prostituées. Il y a des hommes prostitués, mais ici les prostituées, ce sont avec de, en français ici, ce sont des femmes. But here the prostitutes are women. Donc, ce sont des dénominations. So they are denominations. Aujourd'hui. Today, il y a un courant dans le monde qui dit que tout le monde doit retourner à l'église mère en faisant ainsi en allant dans le conseil mondial des églises. Universal Council of Churches. Mm-hmm. Là, bien aimé, on dit que c'est pour éviter les tensions. To avoid the tension, ceux qui croient en Marie. Believe in Mary, sont bienvenus. Are welcome. Ceux qui croient qu'il n'y a pas les miracles n'existent plus dans la Bible. Miracles do not exist anymore. Ils sont bienvenus. They are welcome. Toutes les doctrines peuvent venir et on s'entend. C'est la Babylone, c'est la confusion. Babylone veut dire confusion. Babylon is confusion. C'est Babel. Babel. C'est là où Dieu a confondu tout le peuple de la terre. God confused all the people of the earth. Babylone veut dire confusion. Babylon means confused. Elle est la mère des prostituées. She's the mother of prostitutes. Et pourquoi, bien-aimée? And why, beloved? Parce que les gens ont pris, ont rejeté la parole de Dieu dans les dénominations. Because the people have rejected the word of God. Afin de prendre ainsi ce qui est à eux. So that they can take what is theirs. Et de le faire cela leur absolu. And to make that absolute. Vous savez, du temps de Frère Branham. You know, in the time of Branham. Ce pasteur Bess, un pasteur baptiste. A Baptist pastor. His name was Bess, Dr. Bess. His name was Dr. Bess. Il est venu parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait la guérison divine. He came because he did not believe in the divine healing. Il voulait avoir un débat avec les prophètes. He wanted to have a debate with the prophets. Et jusqu'à aujourd'hui, j'étais une fois en Hollande. And right until today, I was in Holland. One time. Et je suis à l'hôpital pour aller prier pour quelqu'un. And I went to the hospital to pray for someone. Et arrivé à l'hôpital, c'était dans une unité de gens qui avaient des cancers. It was in the unit of people that had cancer. Et puis, je voyais que vraiment toutes les personnes autour avaient des conditions très graves. And I saw that all the people that had very serious conditions. Et je me suis tourné vers la personne pour laquelle je devais prier. And I turned towards the person that I had to pray for. Dit, on va prier. So we're going to pray. Dit, oui. So yes. Alors, je regarde sur le lit à côté. So I looked at the bed. Il y avait une dame. There was a woman. J'ai dit, madame, est-ce qu'on peut prier? Woman, non. Vous voulez qu'on traite vos rédacteurs? Moi, je ne veux rien avoir. Frère, ça m'a choqué. It shocked me. Quelqu'un près de la mort. Someone close to death. Ne voulait même pas entendre parler d'elle. No one to even hear someone talk about. C'est terrible. It's terrible. Mais ici, bien-aimé, so here, beloved, nous sommes dans quelque chose we are in something où on veut amener tout le monde to bring everyone à pouvoir porter la même robe. To bear the same role. Nous voyons maintenant quand ils font ce qu'ils appellent l'écuménisme. You see what they call Ecumenisme. Ecumenisme, it is a kind of everybody coming together, all the churches, all the beliefs coming together. Mm-hmm. Alors ils ont les bouddhistes. They have the Buddhists. Ils ont les musulmans. They have the Muslims. Ils ont même des satanistes. They have Satanists. Ils ont toutes les religions. They have all the religions. Quand ils ont quelque chose, nous allons demander à tout le monde de venir prier. Celui-ci vient prier au nom de son Bouddha. L'autre au nom de Allah. L'autre au nom de je ne sais pas qui. Non, frère. No, brother.
Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un. Il n'y a pas moyen de pouvoir se joindre à cela. Mais le problème est que les églises protestantes aujourd'hui, une à une, retournent à leur mère, l'église catholique. Il y a quelques années, c'était sur les informations et même sur Internet. Il y a ce prédicateur, il est italo-américain. Son nom échappe. Quand je suis venu à Londres au début des années, fin des années 90, début des années 2000. Son nom échappe. Oui, et on avait beaucoup de ces panneaux à Londres. There were many. Continue, carry on. Son nom échappe. Cet homme qui est très bien connu, je n'entends plus beaucoup parler de lui maintenant. Il est allé disant que le pape, il est allé à Rome et il a reçu des honneurs. Il dit, le pape est une très bonne personne. Donc, il a encouragé pour aller vers l'église catholique. He went and he started to say that he met the Pope and le nom me reviendra, je vous donnerai même son nom plus tard. His name will come back. Et il y a des réactions qui sont sorties. Il dit, mais ce n'est pas possible, cet homme a vendu son droit de naissance. He said, no, it's not possible, this man gave his birthright. Bien-aimé, voyez-vous ce que c'est? Beloved, do you see what is happening? Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Because they rejected the truth. Ils retournent tout simplement vers l'église catholique. Ils ne deviendront pas catholiques, mais ils ont vendu leur droit de naissance. Ils vont accepter des doctrines d'hommes. C'est pourquoi on dit que c'est la mère des prostituées. Même Luther, qui est sorti de l'église catholique, a gardé les catéchismes, les luthériens. Luthériens. Et même quand vous écoutez, vous regardez les Anglicans ici, des fois vous avez du mal à différencier. Leur culte avec ce qui se passe chez les catholiques. C'est carrément la même chose. Maintenant, je vais juste donner ce point, nous allons arrêter, nous allons y revenir la semaine prochaine. C'est pour ça que maintenant Dieu, en parlant au travers du prophète Esaïe, Esaïe au chapitre 13, il dit ceci à partir du premier verset. Et puis nous allons arrêter parce qu'il est presque 14 heures. J'ai dit je n'allais pas aller trop vite. Et pour ne pas prendre des fois des choses et les donner d'une façon précipitée. Mais nous avons sur nos mains, frères, les Jésus dans nos mains. We have Jesus in our hands. Qu'est-ce que nous allons dire quand nous rentrerons là-bas? Oh Seigneur, ces frères m'avaient tellement énervé. Oh, this brother annoyed me so Et je ne pouvais plus les supporter. I could not support him. Non, frère. No, goodness. Nous devons pardonner we must pardon comme nous avons été pardonnés. As we were pardoned. Et vous qui êtes dans le monde, And we who are, qui ne croyez pas en Dieu, you do not believe in prenez God. Cette chance. Take this chance. Donnez votre cœur à Christ. Give your heart to Christ. Écoutez ce qu'il dit ici. Listen to what he's saying here. Oracle sur Babylone. Verse 1. A prophecy against Babylon. Vous avez vu qu'il y a des Babylone? You know what was in Babylon? Ça, Babylone était dominé. Ça, c'est une image. This was an image. Une prophétie dans le temps à venir. A prophecy in the time that was come. Révélée à Esaïe, fils d'Amos. Revealed to Isaiah, son of Amos. Sur une montagne nue. Raise a banner on a bare hill. Dresser une bannière. Raise a banner. Élever la voix vers eux. Shout to them. Ceux qui sont prisonniers dans Babylone. Those who are imprisoned in Babylon, faites des signes avec la main make signs with your hands, qu'ils franchissent les portes des tyrans. To beckon them to enter the gates of the nobles. J'ai donné des ordres à ma sainte armée. I have commanded those of the J'ai appelé les héros de ma colère. I've summoned my warriors, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Carry out my wrath, Père Babylone, serait, au verset chapitre 18, on dit, elle est tombée, Babylone la grande. Après le Jésus. From Revelation 18. That Babylon has fallen. Mais il dit ici, but here it says, élevez les mains, élevez la voix vers eux. Shout to them. Faites des signes avec la main. Make signs with your hands. Et qui franchissent beckon to them, les portes des tyrans. To enter the gates of the Sortez du milieu de mon peuple. Out of them. Prenons Esaïe 51. Jérémie 51. Sorry. Jeremiah 51. Écoutez. Listen. Verset 6. Verset
Esaïe, my God. Jérémie 51. Jeremiah 51. Il dit ceci. Fuyez de Babylone. Flee from Babylon. C'est pourquoi il devait élever la main. That's why he has to raise. Faire des signes. Make signs. Frères, sortez. Sœurs, sortez. Sisters, come out. Venez. Come. Le temps de grâce est là. The time of grace is here. Fuyez de Babylone. Flee from Babylon. Que chacun sauve sa vie. Run for your life. De peur que vous ne périssiez dans sa vie. You're not be destroyed because of us. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. It's time for the Lord's vengeance. Il va lui rendre selon ses œuvres. He will pay her for what she deserves. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Vous pouvez mettre cela ensemble avec Révélation, Apocalypse 17. On n'a pas le temps, je n'ai pas aujourd'hui bien sûr, mais nous allons prendre le temps d'aller doucement. Écoutez un peu, verset 4. La deuxième partie, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de, sa prostitution. She had a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. Et c'est une femme ici, on vous dit que c'est une this femme. Is a woman here. Et une femme est une église. A woman is a church. Alors ici on dit, and here it says, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Babylon was in the hands of the Lord a golden cup. Qui enivrait toute la terre. That, Verse 7. Then the angel said to me, why are you astonished? No. Where are you? Revelation? Yeah. No, go back to Jeremiah 51. Jeremiah 51, verse 7. Babylon was a gold cup in the Lord's hands, and she made the whole earth drunk. Yeah. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylon tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour s'appeler. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone. Mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Et que chacun aille dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Dit frère Paul, les prophètes parlaient de l'ancienne Babylone, frère. Tu te trompes. C'est vrai. Mais ce n'est pas moi, c'est l'ange qui. Révélation, Apocalypse 18 maintenant. Commençons à partir du premier verset. Après cela, j'ai vu descendre du ciel et notre ange. Qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Écoutez, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Frère, c'était des milliers d'années après que l'autre Babylone soit tombée, aux mains des Perses et de Mèdes. L'autre Babylone, l'ancienne Babylone est tombée au temps d'être Mèdes et de Perses. In the time of Medes and Persia. Selon la statue de Daniel dans Daniel 4. Along the statue of Daniel 4. Il y avait une statue avec la tête d'or. There was a statue with a head of gold. Ça c'est l'empire babylonien. That was the Babylonian Empire. The Babylonian Empire. Yeah. Qui a régné après cela venait l'empire Médo-Perse. After that came the reign of the Medes. Mais frère, ça c'était il y a longtemps. That was a long time ago. Mais quand maintenant Dieu parle ici, now God is speaking here, au travers de l'ange à Jean, through the angel, nous sommes au temps de l'Empire romain. We are in the time of the Roman nous sommes Empire. Au niveau des pieds we et are des jambes. At the feet and legs. Et legs. La tête et la poitrine, tout ça était déjà parti. The head and the shoulders, that's all. Mais l'ange dit, il criait d'une voix forte disant, elle est tombée, fallen. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. And the merchants of the earth were rich from her excessive luxury. Écoutez le verset 4. Listen to the fourth verse.
Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, etc. Frères, nous devons faire attention. La marque de la bête est en marche. In its way. Nous devons avoir le sceau de Dieu maintenant. Comme il est écrit dans Éphésiens 4, 30. Nous avons été scellés du sceau de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Les changements de notre corps. C'est pourquoi, bien-aimés, que ferons-nous de ce Jésus qu'on attend Christ? Nous verrons la suite la semaine prochaine. Nous devons prendre très au sérieux la parole qui nous est apportée. Les systèmes écuméniques systèmes est sur la voie d'englober tout le monde, d'englober tous les systèmes religieux. Religious realm or system. Tout le monde va rentrer dedans. Sauf ceux-là dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans les livres de vie de l'année. Apart from those whose names are written in the book of life before the foundations of the world. Life of the Lamb. Before the foundation of the world. Et c'est ça que nous disons, bien-aimés. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il est temps que chacun d'entre nous puisse réviser sa voie. Réviser sa propre vie. Mettre de l'ordre dans sa maison. Parce que Jésus-Christ dit ceci. Dans Matthieu 24, du verset 22 jusqu'au verset 24, il dit qu'à la fin, les deux esprits, l'esprit antichrist, l'esprit de Christ, seront si proches que les élus pourraient être séduits. Mais ce ne sera pas possible. Mais à cause des élus et des temps difficiles qui vont venir, ces temps seront abrégés. Et c'est pour ça que, bien-aimés, que ferons-nous de Jésus après le Christ? Que ferons-nous de cette parole ouinte que nous avons? Puisse Dieu nous accorder le privilège de pouvoir vivre réellement la parole de Dieu. Car, comme on dit, la vie est dans ses mains. Et puis nous sommes que des pèlerins et des passagers sur cette terre. Et nous sommes juste en train de pouvoir témoigner qui il est. And we are testifying who he is. Celui qui n'est pas en Christ. He was not in Christ. Celui qui ne reconnaît pas Christ. He does not recognize Christ. A quelque chose qu'il a perdu. Has something that he has lost. Nous devons retourner. We must come back. Que ferons-nous de ce Jésus? What will we do with this child? With this Jesus called Christ? Nous devons, frères, l'élever. We must lift him up. Au niveau qui est le sien. In his the position which is his. En vivant une vie qui est conforme aux Écritures. That is in conformity with comme je l'ai dit en début, en commençant, as I was saying in the beginning, quand je vous l'ai lu dans Romains chapitre 7, when I read in Romans chapter 7, verset 17 et la suite, verse 17 up to nous then, avons vu, bien-aimés, que we see that celui qui est né de Dieu the one that is born of God, reconnaît maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle en lui. And then there's someone that is speaking in him. Et cette personne dit, and this person says, moi le péché, me nous know, ensemble, sin, and I have nothing in common. Et la chair dit, écoute, moi j'ai encore cela. And the flesh says, me, I still have this. Alors maintenant l'homme se tourne vers Dieu now, man, et dit, Seigneur, God, says, Lord, ce n'est pas moi qui fais le péché, c'est lui, c'est la chair, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Puisse cela être, si cela est déjà manifeste en vous comme ça, c'est que vous avez déjà fait du chemin avec le Seigneur. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé.
Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Oh, des chaînes du péché, oh, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, que jour de gloire. Amen, quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Amen, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, que jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, je suis prédestiné avant la fondation. Oh, je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est un jour merveilleux. Quand Christ a versé son sang pour moi. Et c'est pour ça que nous voulons maintenant le remercier. Et prendre notre position pour Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Nous voulons que Christ soit glorifié. Comme le frère nous l'a lu dans Matthieu 5, que votre lumière luise devant tous les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous voulons prier dans ce sens. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes si reconnaissants, Père, pour les sacrifices de Golgotha, pour la vie que tu as répandue sur les bien-aimés, afin que nous puissions vivre aujourd'hui. Nous avons entendu, Père bien-aimé, ce qui s'est passé avec Pilate. Comment est-ce que lui, il s'est trouvé piégé? Et il n'a pas su voir la porte que toi, tu as donnée. Il aurait pu refuser. Tu l'as même averti au travers du message que sa femme lui a apporté. Dis, j'ai eu un songe cette nuit. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme juste. N'ai rien à voir avec cela. Mais malgré tout, il est allé droit là-dedans. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir, oh Dieu, être averti, averti, warned, et recevoir ainsi, accepter les réprimandes que toi tu donnes au travers de ta parole, afin d'être ainsi retrouvé, marchant sur le droit chemin. Oh, que ton nom soit béni, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Bénis cette petite assemblée. Bénis tes enfants, Père.
Conduis-nous dans tout ce qui est droit. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'avons prié, Père. Et remis toutes choses. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je passe d'abord le service au frère Sivasi. J'aurai quelques annonces à faire sur Facebook après. Aussi. Voici quelques commentaires. We thank God so much for what God has used our brother, Brother Paul, and the interpreter and do this afternoon for us. Nous remercions Dieu Tout-Puissant et le Seigneur ainsi que le frère Paul pour ce qu'il a permis que le frère Paul puisse nous apporter comme parole cet après-midi. We say all together, glory be to God in heaven. Nous disons donc tous ensemble que la gloire soit au Père céleste dans les lieux, au Père Tout-Puissant dans les lieux célestes. And God should give us the power and wisdom to shine unto Him alone. Et que notre Père continue de donner la sagesse et l'intelligence à notre frère de continuer à briller de la lumière divine tous les jours pour nous. Brothers and sisters, there is no other God that we can serve than Jesus Christ, our Savior. Frères et sœurs, il n'y a point d'autre Dieu que nous devons servir, si ce n'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. We are heard every day and we read for His precious word, the complete Bible of God. Nous recevons tous les jours et nous lisons tous les jours sa précieuse parole dans la Bible complète qui est la parole de Dieu. There is no other way to enter heaven than Jesus Christ, the Savior. Il n'y a point d'autre chemin par lequel nous puissions entrer dans les lieux célestes si ce n'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. I believe He answers every one of us prayer. That is why we are here to listen to His words. Nous croyons et avons foi qu'Il répond à toutes nos prières, toutes nos demandes. C'est pourquoi nous sommes davantage encouragés à nous réunir tout le temps autour de sa parole pour écouter ce qu'il a à nous dire. He heal our disease and give us the good things from treasure of heaven. Il guérit toutes nos maladies et nous accorde toutes les choses précieuses sur la terre et dans les cieux. I believe God has done so much for him. We're going to thank him for his love and kindness. Nous allons donc dire merci à notre Père pour son amour et sa bonté envers nous, pour tout ce qu'il nous accorde. We have some few people for our prayer list of where we mentioned yesterday, a man that passed away in America. Nous avons une liste de demandes sur la liste de prières et particulièrement en ce qui concerne un frère qui est décédé aux États-Unis. We shouldn't forget to commit the family to the hands of God to comfort them. Nous ne devons pas oublier de recommander donc la famille de notre frère disparu à cette famille éplorée afin que le Seigneur puisse les consoler. I believe his name is Philip. Je crois que son nom est Philippe. Felix from USA. Philippe des États-Unis. And I have a young man that was tell us to remember him for his examination that coming his fourth final examination. His name is George. Nous avons notre jeune frère Georges qui va donc passer son examen final et qui nous demande de le soutenir en prière afin que tout se déroule dans les bonnes conditions pour lui. There also a sister that our brother Paul was mentioned suffering from cancer. On a aussi une autre sœur dont le frère Paul a parlé tantôt qui souffre du cancer. Que nous devons soumettre en prière. Our duty is to pray for these people. Notre devoir et obligation, c'est de prier pour ces frères, ces personnes qui ont été nommées.
We pray and believe that God is going to answer the prayer and touch every one of them. Nous allons prier et croire avec foi que le Seigneur va toucher et guérir chacun de nous et répondre à ces prières qui seront donc formulées devant lui. In this UK, we shouldn't forget the Queen's family that they lost the Queen's husband, Prince Philip. Étant donc en Angleterre, nous ne devons pas non plus oublier la reine de la garder en prière afin que son mari qui est décédé, le prince Philippe, cette situation soit une situation que le Seigneur tout utilise pour la toucher aussi. We commit every one of these people to the hands of God for God comfortness, to comfort all the entire families and to heal those who are sick in our midst. Nous recommandons donc toutes ces familles éplorées au Seigneur afin qu'il les console, qu'il les bénisse, sans toutefois aussi oublier tous les malades qui sont au milieu de nous, afin que le Seigneur leur apporte sa guérison. God gave us what to do is to commit everything or talk to Him through prayer. The rest is His work to do it. Le Seigneur nous donne cette possibilité, cette opportunité, cette bénédiction de pouvoir élever directement la voix vers lui afin qu'il puisse nous entendre, écouter nos besoins et le reste lui reviendra. En ce qui concerne la prière, we have to remember these people in our prayer. Even the not only one child that we're praying for the examination that coming, many children are facing this. Problems. Nous devons aussi nous rappeler de ce frère qui a donc son examen, mais aussi parmi nos enfants, on a beaucoup d'enfants qui aussi doivent passer des examens. Many people that lost their loved one wish we not have their name in our midst, our list. We shouldn't forget to mention them. And those that are sick in the hospital, we have to remember them all. Nous devons aussi nous rappeler de beaucoup parmi nous qui certainement ont dû perdre un parent ici ou là et dont les noms ne sont pas mentionnés. Nous devons aussi nous rappeler de nos frères et certaines personnes qui sont dans les hôpitaux que nous ne connaissons pas afin que nous puissions prier pour eux. Don't forget to pray for those that are planning or those that are traveling. Non-traveling is very, very tough situation. But God is still open ways to His children. Aujourd'hui, le voyage est une situation très difficile, mais dans l'amour de Dieu, Dieu continue d'ouvrir les voies afin que ses enfants voyagent. Car aujourd'hui, il est difficile de voyager. Souvenons-nous donc de ceux qui ont des projets de voyage afin que le Seigneur facilite, ouvre les voies pour eux. Let the Lord answer all our prayer as we commit everything to His own mighty hands. Que le Seigneur réponde à toutes nos prières pendant que nous recommandons nos sujets dans ses toute-puissantes mains. In any convenient that is convenient for you, just remember to pray briefly for all these things that we are mentioning. Can you repeat the name of the person that you are recommending the prayer on, please, brother? You said. Come again. You said we should pray for, we should briefly recommend a prayer. I didn't hear the name of the person. Yeah, we have George, we have Felix, the Felix in the USA, the Felix here in UK, and we have a lady there that for cancer, and many others that are sick in our midst. I don't know if there is any other name to add it. Okay, so who is supposed to pray? Should I pray or somebody else? You can pray, please. Ah, okay. Notre Dieu, notre roi, Père éternel, fidèle, créateur du ciel et de la terre, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, toi sans qui rien n'est possible, toi qui parles et cela s'accomplit, toi qui amènes à l'existence des choses invisibles, toi l'image vivante du Dieu invisible, toi notre Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur, toi qui il a plu de sortir de l'éternité pour entrer dans l'espace-temps, pour qu'il y ait un commencement.
Et toi à qui il a pris de prendre une forme théophanie spirituelle, appelée le Saint-Esprit, qui dans son plan merveilleux a créé l'homme, l'être humain, à son image. Éternel Dieu, nous savons à qui nous élevons notre voix. Nous savons à quel Dieu nous croyons. Car aujourd'hui, le monde des dénominations nous présente différents types de Jésus-Christ. Mais le Christ en qui nous avons cru, c'est celui en qui nous avons la révélation véritable. De par les mystères de la parole de Dieu. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas par un slogan, mais c'est par la conviction d'une révélation que nous avons de lui. Et c'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons élever la voix. Oui, élever la voix vers ce Dieu vivant qui nous a appelés à sortir des dénominations et qui nous a reçus comme ses véritables enfants. Nous voulons élever la voix envers ce Dieu d'amour rempli de bonté qui s'est dépouillé de toute sa gloire pour prendre la forme d'un serviteur et aller à l'abattoir comme un agneau muet. Et c'est pourquoi ce matin, Père, ton sang qui a été versé pour nous justifier, ton sang versé pour nous racheter, ton sang versé pour nous sanctifier, nous purifier. Père, nous nous mettons sous le sang qui nous justifie, de sorte que lorsque le Père éternel regarde, il ne voit point de péché en nous. C'est justifié, Seigneur, de ton sang et de par ta parole que nous humblement venons au pied de ton trône. Éternel Dieu, pour te soumettre ces requêtes, notre sœur qui est malade, qui a le cancer. Notre serviteur frère Branham nous a dévoilé la stratégie du cancer. Selon quoi il y a un démon qui est caché derrière le cancer. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu puisses chasser ce démon et que tu puisses tuer cette tumeur afin que la guérison se manifeste dans la vie de cette sœur et que le monde entier voit la lumière, ta lumière qui brille en elle et que ton nom soit glorifié comme tu l'as demandé. Nous te recommandons, éternel Dieu, notre famille, frère et sœur, du frère Philippe, ton serviteur que tu as appelé auprès de toi. Éternel Dieu, c'est toi le Dieu qui a créé et c'est toi le Dieu qui reprend. Mais nous voulons te recommander sa famille. Seigneur, il n'y a point de hasard dans la vie des véritables enfants de Dieu. Et si tu as appelé éternel Dieu, ton serviteur auprès de toi, c'est parce que tu as pourvu le moyen de pouvoir prendre soin de cette famille. C'est pourquoi nous les recommandons aux bons soins du Saint-Esprit, le Consolateur, afin qu'il puisse les garder et les guider dans toutes choses. La perte d'un proche est une épreuve difficile que le diable utilise par moments pour briser les foies. Mais la Bible déclare que c'est toi qui donnes la foi. Père, c'est pourquoi nous te recommandons cette famille. Et tous les malades qu'il y a parmi nous, et tous les malades que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, et tous ceux parmi nous qui ont perdu des proches, mais qui n'ont pas donné de sujet de prière, nous te prions de les consoler. Éternel Dieu, tu nous appelles aussi, Seigneur, à étudier pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et à pouvoir trouver du travail. Père, c'est pourquoi nous te recommandons tous les enfants parmi nous, tous les frères parmi nous qui ont, quel que soit l'examen, qu'il soit examen universitaire, scolaire ou préscolaire, Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Que ce soit une formation professionnelle, une formation éternelle, Dieu, quelconque, oh Dieu, nous te recommandons nos frères. Toi qui donnes l'intelligence, aide-les, éternel Dieu, à réussir à leur examen. Illumine leur intelligence, Seigneur, afin que la gloire te soit rendue. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour cette journée que tu nous as accordée de nous assembler autour de ta parole. Cette parole pure, dépourvue, dit vrai. Cette parole remplie de révélations. Cette parole remplie d'avertissements. Cette parole remplie de conseils. Cette lumière divine que tu nous as apportée en ce jour au travers de ton serviteur, Paul Mukendi. Père, nous te bénissons pour lui. Nous bénissons sa vie. Nous bénissons l'interprète. Nous bénissons sa maison. Seigneur, nous bénissons tous les frères qui se sont unis autour de ta parole. Ta parole déclare qu'il est bon que les enfants de Dieu demeurent ensemble. Seigneur, c'est là que la bénédiction d'Aaron coule. Et que cette bénédiction soit manifeste, car la Bible déclare que l'Éternel, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Bénis-nous encore au cours de cette journée et tout le long de la semaine. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
I don't know if there is any other things to add for what we have already. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce que nous avons déjà. I think Brother Paul has some announcement to make. Yes. Je crois que le frère Paul a des annonces à apporter. Ok, je voulais seulement ajouter ceci. Il y a, pour le bien-aimé qui nous suit sur Facebook, j'avais annoncé il y a plus de mois que nous allions passer de compte privé Paul Mukendi au compte de Coventry Christian Assembly. Okay, for the brothers who are following us on Facebook, I've announced last time that we will change our network link. And from now on, we might be on Leicester Assembly's link. Oh, Coventry. Coventry link. I'm sorry, Coventry link. Yeah. So for those who need to now get on touch with us, you can join us on Coventry link. Je mettrai le message sur mon compte Facebook comme ils sont là maintenant pour que la semaine prochaine nous rappellerons encore samedi ou dimanche pour que les gens puissent aller sur Coventry maintenant Christian Assembly. Okay, from now on we will be networking on Coventry Assemblies and I will remind you all on my Facebook links. So whoever is connected to my Facebook link can join there and have more information regarding our broadcasting. Okay. Et puis pour le Zoom meeting que nous avons avec les assemblées de Londres et de Gessex. Regarding the Zoom meeting that we have with the London Assembly and Gessex Assemblies. Qui seront le lundi et le samedi normalement. That will be now broadcasted on Monday and Saturdays. No, no, nous les avons normalement les lundis et les samedis. We have them normally on normal basis on Saturday and Monday. Et nous savons que frère, nous avons fait l'annonce via frère Sam que cela va s'arrêter à la fin du mois d'avril. Okay, according to our agreement with Brother Sam, we have decided that will stop in the month of April. Oui, donc ça, vous devez aussi le savoir. Alors maintenant, les réunions que nous avons ici sur Zoom, les dimanches, seront un nouveau compte que nous avons. C'est le compte de l'église de Coventry que nous publierons aussi pour ceux qui veulent continuer à nous suivre. OK. Therefore, we will be publishing our account of Coventry Assembly. For those who will wish to follow us, we will be now sending the link on Coventry Assembly, publishing the link of Coventry Assembly, where we will be broadcasting our service. On Zoom meeting, brother. Especially on Zoom meeting. Yes, ça sera pour le Zoom meeting, parce que pour le moment, comme le dimanche ici, nous avons toujours le Zoom address de GetSet, celui que nous utilisons. As you can see, we still keep using the Zoom meeting of the Jesus Church. So we will have now our Zoom meeting on Coventry Assembly. Mais nous passerons, ce n'est pas un problème, c'est juste changer de Zoom ID qui va se fermer, sinon tout se passera de façon sans problème. Okay. All will be as usual, we will just change the Zoom ID so that we can now use the Coventry Assembly Zoom ID. Okay. Que Dieu vous bénisse, je crois que bon, c'est tout ce que je vais dire. S'il y a d'autres choses, nous passerons, je mettrai le message sur notre groupe WhatsApp. Okay, I think this is all for today, but if I just remember something, I will post all the information on our WhatsApp group for the church of Coventry. Okay, thank you. There is a brother that I want to say something here. Please. Il y a un frère qui veut dire quelque chose ici. Nous l'écoutons. Ouvrez votre micro. Je voulais seulement dire au revoir aux frères qui sont maintenant sur Facebook. Que Dieu vous bénisse d'avoir été là. Just a moment. I would like to say thank you for the brothers who are on Facebook. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour avoir été là. À très bientôt. May the Lord bless you for being with us today. And your local assembly also. May the Lord bless you. Okay. Okay. Yeah, I would like to
say something regarding brother. I always mention brother Zia. I already mentioned regarding the traveling. But I've been, if God will, I'll be traveling on in 2 weeks' time. So I would like to recommend this my journey and the stay in Ivory Coast. So that's this announcement I would like to make. Yeah. Je voudrais apporter rapidement une annonce. Je pars en voyage pour 2 semaines en Côte d'Ivoire et j'aimerais que nous prions. Pas 2 semaines. Je dis dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ce que j'ai dit. Dans 2 semaines, je pars en Côte d'Ivoire et j'aimerais qu'on recommande mon séjour en Côte d'Ivoire, que tout se passe bien. Thank God for everything for today. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. We don't forget to pray for one another, please, and contact one another for all what we can do. For greetings, keep them warm, and everything we could do to help. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, de nous appeler les uns les autres pour pouvoir conserver cette flamme d'amour, cette chaleur fraternelle au milieu de la famille. I say God bless every one of us. Bénis tout un chacun de nous. Open your net to greet everyone, please. God bless you all. Ouvrez vos micros, vos caméras pour pouvoir saluer chaque frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. God bless you all. Amen, amen, amen. God bless you. Soyez bénis. God bless you all. Amen, merci. Soyez bénis tous. Amen, amen, amen. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. God bless you. God bless you all. Ok. À très bientôt. Frère Blaise, le Bouma. Sois béni. Amen. Frère Joseph, frère Paul, frère béni. Amen. Amen. Ok, à très bientôt. Allez, à très bientôt. Merci. Yeah, totally. Yeah, that's why I don't want you to just to kiss me because it's just. No, she's so cute. David Noah. Yeah. He said stop.